Digital Impulse continue son tour de France. Aujourd'hui, nous sommes à Sémia pour l'édition strasbourgeoise de ce concours. Digital Impulse est un programme lancé par Huawei France en 2014 pour soutenir les startups françaises innovantes et les accompagner dans leur développement à l'international. Pour cette 10e édition du concours, nous avons choisi le thème Territoire connecté. Ce matin, nous avons eu le plaisir d'auditionner plusieurs startups de la région Grand Est. Et pour la remise de prix, nous avons eu le plaisir d'avoir M. Jean-Michel Sterlet, vice-président de la communauté d'agglomération de Haguenau, Laura Lehmann, directrice de Sémia, Sophie de Guibon pour représenter le comité Richelieu, et Mingan Zan, directeur général adjoint de Huawei France. On vous laisse découvrir le résultat. Et donc le deuxième prix est remis à Bric-à-Brac, bravo. Bric-à-Brac, c'est une société basée à Nancy qui démocratise la vente en vrac pour améliorer les bénéfices en supermarché et le rendre accessible à tout le monde. Actuellement, en supermarché, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va payer en caisse, donc on abandonne le sachet, ce qui crée des pertes pour le magasin. Et on a objectif de transformer ça plutôt en bénéfices et en amélioration des ventes. Le premier prix est pour Euristech. Félicitations. Alors, Eurystech, on est une start-up qui avons développé une technologie innovante pour détecter, localiser les défauts de corrosion sur les canalisations. Gaz, hydrogène, réseau de chaleur, réseau électrique. Ça engendre des économies considérables à la fois pour les entreprises et les collectivités. Au travers de Digital Impulse, on cherchait à améliorer notre vision commerciale et notre vision stratégique aussi. Essayer de se challenger sur d'autres marchés et d'autres opportunités. Et notamment en Chine où il y a beaucoup de population, une population très importante est très dense et on a hâte d'aller voir sur place comment ça se passe réellement et quel est le challenge à relever. Pour nous, c'était tout naturel de candidater à Digital Impulse pour l'ouverture que ça peut nous offrir sur la Chine. Et donc, on est très enthousiaste à l'idée de travailler avec Huawei et avoir la chance de mieux connaître le marché chinois. Merci au jury et merci à Huawei, et Eurystech fera de son mieux pour faire honneur à la French Tech et à la région Grand Est.